aujourd'hui. Voici Fanny Ruette. Coucou les zouzous. Comment ? Oui, oui. Dites, j'ai regardé la série Le Flambeau avec Jonathan Cohen où il parodie Koh-Lanta et tout. Qu'est-ce que c'est drôle. Qu'est-ce que c'est drôle. J'espère qu'il y aura une saison 3 où il parodie Top Chef. Ça s'appellera Le Beau Flan. Sinon, grosse semaine pour moi. Enfin, semaine avec des formes, puisque j'ai décidé de devenir reine. Comment ça ? Mais oui, moi le jubilé de la reine Elisabeth, ça m'a vendu du rêve. Genre, la meuf, elle invite des centaines de milliers de personnes à sa fête, et puis elle se pointe 2 fois 5 minutes. À 22h, elle était au lit pour regarder Roland Garros. Quelle vie ! Quelle vie ! Et d'ailleurs, parenthèse sur les tournois de tennis. Pour moi, le grand chelem le plus important, c'est l'US Open. Parce que vu le nombre de fusillades qu'il y a dans les écoles américaines, c'est vraiment important que là-bas, les enfants apprennent très vite à être ramasseurs de balles. Non. Mais bref. Bref, vraiment, la reine, elle se pointe 2 fois 5 minutes à sa propre fête. Moi, si je me pointe seulement 2 fois 5 minutes à mon anniversaire, les invités, ils râlent. Enfin, ma meuf râle. Soi-disant, c'est moi qui ai insisté pour faire ça au McDo. Hein. Et maintenant, c'est elle qui se fait interroger par la police pour savoir pourquoi elle est seule dans les boules avec 3 enfants. Hein. Mais la reine, 2 fois 5 minutes, et les gens, ils étaient contents. Hein. Il y avait des articles genre « La reine Elisabeth fait une apparition surprise pour le dernier jour de son jubilé. » Surprise ? Genre, moi, la vraie surprise à mon anniversaire, c'est si j'arrive à pas dire de la merde sur mes potes dans les 10 secondes entre le moment où j'ouvre la porte et le moment où ils crient surprise. Mais quand t'es la reine, non, la surprise, c'est de savoir si tu vas te pointer. Si j'avais su que tu pouvais faire passer ton impolitesse pour du suspense. Mais quel talent. Personne n'a d'attente vis-à-vis des vieux, c'est dingue. Genre, c'est comme vis-à-vis des hommes, on les félicite dès qu'ils sont vaguement décents. Genre, oh, il s'est pointé à son propre mariage, il est si déconstruit, et... Il reçoit un pin, Mona Chollet. Non mais les vieux, sérieux, il n'y a plus d'attente, en vrai, il n'y a plus. Quand ils sortent leur pilulier, ils prennent soin de leur santé. Moi, quand je sors le mien, soi-disant, la drogue, ça détruit la famille. Et c'est mis nulle part sur l'emballage que le mortier, c'est pour broyer les épices et pas la MD. Les pistes pour l'existence. Sérieux, j'ai trop envie d'être la reine d'Angleterre. Genre déjà, ça a plein d'avantages. Tu dois pas choisir ce que tu fais plus tard. Et si ta mère te fout la pression en mode « Qu'est-ce que t'attends pour commencer à travailler ?» Tu peux littéralement lui répondre que tu meurs. On voit qu'il y a un gros rapport conflictuel avec sa mère. Autre avantage, vraie info, la reine, elle peut conduire alors qu'elle n'a pas le permis. Ah bon ? Et franchement, j'ai plus de chances d'un jour devenir reine d'Angleterre que de réussir mon créneau. Et puis, je pense que je serai une bonne reine. Vraiment moderne et tout, parce qu'il y a des chances que je me marie avec une fille, donc ce sera stylé, en vrai. Parce que je serai à la tête du Royaume-Uni, mais aussi du Commonwealth, où l'homosexualité reste un délit dans 35 sur 53 pays. Si, d'ailleurs, c'est fou, parce qu'ils sont contre l'homosexualité, mais à côté de ça, la reine, elle s'est mariée avec son cousin au deuxième degré. Chacun ses peurs. Eux, c'est 2 mamans qui ont baisé, moi, c'est 2 gènes qui ont muté. Mais l'homosexualité, ça reste un délit dans 35 des 53 pays du Commonwealth. Comment on va les pourrir ? On va faire le prochain jubilé version Gay Pride. Genre, le drapeau anglais, il deviendra couleur arc-en-ciel. Ce sera l'Union Jack UIA+. On transformera la devise anglaise en un God Save the Queen. Ah oui. On gardera le concert d'Elton John. Et puis, on supprimera le concept d'armoirie parce que ça ressemble à armoire et personne ne devrait rester dans un placard. Ce serait super. Ce serait super. J'ai hâte d'être reine. Déjà parce que tout le monde s'en fout de ce que tu fais. En vrai, tu dois rendre des comptes que si t'as été élue. Les gens, ils ont des attentes, là. Mais si t'es au pouvoir parce que tes parents étaient au pouvoir, personne ne leur met en question. En vrai, la royauté, c'est une dictature avec une bonne image de marque. Enfin, ça dépend des pays, parce que c'est pas partout. Pareil, en Europe. Genre, au Royaume-Uni, ils sont adulés, ils sont hyper classe et tout. En Belgique, on a aussi une royauté. Oui. Mais c'est pas le même délire. En Belgique, la famille royale, elle est plus une famille que royale. Genre, on a mélangé The Crown avec les tuches. C'est genre... les cruches. Enfin, bref. En France non plus. C'est pas la joie avec tout ce qui est royauté. Votre dernier roi, vous l'aimiez tellement que vous en avez fait 2. Genre... On l'a découpé, oui. C'était la blague. Si tu veux, je vais les expliquer la prochaine fois. Littéralement, vous aviez un mec commis d'office au pouvoir, vous l'avez détesté au point de changer de système pour pouvoir choisir la personne que vous alliez détester. Ça, c'est la France que j'aime. Liberté, égalité, hostilité. La seule chose la plus absolue que votre ancienne monarchie, c'est votre envie de vous plaindre. Ça, c'est fou. Et donc, vraiment, ça n'a pas marché pour vous, la royauté, sauf à Monaco. Preuve que chez vous, la royauté, ça marche que si le peuple est aussi riche que le roi. Pas besoin de prendre la Bastille si tu peux t'en payer une. Mais bon, en attendant que la monarchie revienne en France, que la royauté belge ou que la royauté belge se pimpe un peu ou que la reine d'Angleterre me laisse enfin sa place, je vais m'occuper. Donc franchement, il y a des chances que l'année prochaine, je m'inscrive au casting du Beauflan. Ouais. Merci.
Fanny Ruet en tournée en Belgique et en France, notamment Lyon, Lille, Marseille ou encore Paris le 27 janvier au Trianon.